Good morgen, Aleiden et tu seras aujourd'hui la Sahat Am Israël, chez Batlou Malin ou Kolizot Kashot Veraot, ou les Louis Nishmat, David Ben Fortuna Mazal, Ben Fortuna Mazal Fritna et Lucienne Batraina. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah à contacter 5 minutes éternelles, nous étudions le Sahat Nazir, Perek Vav, Mishnah Gimel, Stam Nazir ou Tchoshim Yom, Gilach ou chez Gilchou, Listim, Soter Tchoshim Yom, Nazir Shegilach Ben Bazoug Ben Bata'ar O She Sifsef Kol Sheu Chayav Nazir Chofef ou Mefasfes Aval Lo Sorek Rabbi Shmuel Omer Lo Yachof Ba'adama Mipenei Sheu Meshir Shemasheret Et Asear. Comme on a expliqué que dans ce chapitre, maintenant on s'intéresse au interdits du nazir, concrètement comment est-ce qu'elle transgresse. On a eu les deux premières Mishnayot qui nous ont parlé de quand transgresse-t-il l'interdit de boire du vin ou de ses dérivés. Dans notre Mishnah, on va s'intéresser cette fois-ci au deuxième type d'interdit du nazir, la coupe de cheveux. Il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Qu'est-ce qui se passe s'il s'est coupé les cheveux? Combien il transgresse? Alors la Mishnah me dit, Stam Nezirut Shoshim Yom, tout d'abord, une Nezirut dure au minimum 30 jours. C'est une halakha que vous connaissez déjà depuis très longtemps. Et pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de le dire ici? Pour te dire que le nazir, quand il ne va pas se couper les cheveux au Beth Amikdash, quand il finit sa nazirut, il ne va pas se couper au Beth Amikdash, avec un rituel entier de korbanot qu'on apprendra plus tard, il devra se raser les cheveux aussi, et prendre tous ses cheveux et les brûler sous le chaudron dans lequel il fait cuire son korban. Eh bien, il faut qu'il ait des cheveux avec un minimum 30 jours. Ça veut dire que s'il avait pris une nézirut, par exemple, de 90 jours, et comme ce que la Mishnah me dit, Gilach, Oshé, Gilchou, Listim, Soter, Shoshim Yom, s'il s'est rasé, ou bien il y a même eu des brigands qui l'ont attrapé, qui l'ont rasé la tête. Ils ont voulu lui faire honte, ils l'ont rasé la tête. Maintenant, le gars, il avait pris sur lui une nézirut de 90 jours. Au 85e jour, ils l'ont attrapé, ils l'ont rasé la tête. Eh bien, il devra attendre 30 jours depuis ce jour-là pour qu'il puisse aller au Beth Amikdash et finir sur le rituel de Nezirut, parce que se raser implique d'avoir des cheveux de minimum 30 jours. Ok? C'est clair? Nazir Shigilach. Maintenant, pour le moment, on a dit donc, si c'est rasé toute la tête, alors il faudra attendre 30 jours. Maintenant, si Nazir Shigilach, le Nazir qui s'est rasé, Ben Bazoug, mais que ce soit avec des ciseaux, c'est rasé à blanc. Ben Bata'ar, ou encore avec une lame. Oh, chez Sifsef, Kol Sheu. C'est quoi Sifsef? C'est qu'il a arraché les cheveux, il a pris une pince à épiler, il s'est arraché les cheveux. Et c'était que Kol Sheu, même un poil, un cheveu. Comme il nous dit le Barthénoura, je ne le vois pas pour le moment, mais je l'ai vu en tout cas. A filoser et chado, c'est écrit expressément. D'accord? Chakar veshir, il a arraché, il a rasé, il a même un seul sehar et chad, même un seul sehar, et bien il est chayav, il sera condamnable, il devra prendre sur lui les malkoutes. Cependant, je précise un point important, le nazir, il faut bien comprendre, il a deux choses, il a deux raisons pourquoi il ne doit pas se raser les cheveux. Il ne va pas se raser les cheveux parce qu'il a un interdit de se couper les cheveux. Ici, il se rase un poil, il est déjà loqué, il est déjà frappé. Maintenant, en plus de ça, il doit en plus de ça avoir des cheveux pour quand il va au Beth Amikdash pour finir son rituel. Là, maintenant, s'il s'arrachait juste quelques petits cheveux, tant que le rov, la majorité de sa tête, elle est encore pleine de cheveux, il pourra quand même, il va prendre des coups, et il va aller au Beth Amikdash et on va lui faire la tiglacha. Parce que dès qu'il a le rov des cheveux, la majorité de ses cheveux, eh bien, dans ce cas-là, on pourra lui faire le rituel. Mais malgré tout, il sera quand même frappé. Parce qu'il a transgressé l'interdit de se couper les cheveux. D'accord? Maintenant, et si par contre, il s'est rasé même plus que la moitié de la tête, il ne reste qu'un petit coin de cheveux, c'est un truc, il ne pourra pas le mettre à Mikdash pour raser juste sa petite chevelure. Même si, en parallèle, quelqu'un qui est chauve, par exemple, il a juste un peu de cheveux sur le côté, et bien il apportera son corban au zéro avec les cheveux qu'il a sur le côté. Parce que lui, c'est ça, sa tête. Donc il a des cheveux. Alors, il devra s'aller. Mais l'autre, qui avait plein de cheveux, il en avait sur toute la tête, et il s'est rasé la majorité de sa tête, il lui reste maintenant juste
Une seule touffe de cheveux dans un endroit, ça suffit pas, il faudra attendre que le cheveu repousse. Vous avez bien retenu? Deux raisons pourquoi le nazir, il doit. L'une de la doit parce que le cheveu. Une d'abord parce que c'est interdit, et même un seul cheveu c'est interdit, on transgresse. Et en plus de ça, parce qu'en plus de ça, quand il finit son rituel, il doit avoir des cheveux, de quoi se raser, et là, on s'intéresse à savoir ce qu'est la majorité. Nazir, maintenant, dans le même principe, nazir chofef. Le nazir, il a le droit de se shampooiner. À l'époque, on faisait le shampoing avec toutes sortes de terre ou de choses, des choses qui nettoyaient, quoi, des produits. Et donc, il fallait se frotter les cheveux bien avec, puis après, on enlevait, on faisait passer avec l'eau, et s'enlever tout le gras et les saletés qu'il y avait sur la tête. Et bien, ça s'appelle être chofef. Maintenant, quand on est chofef, alors ça arrive des fois qu'on s'arrache les cheveux. Malgré tout, il a le droit de le faire. Et même aussi, il a le droit d'être méfasfès. Il a le droit aussi de se peigner les cheveux, on va dire comme ça, avec ses doigts, ou avec un stylo. Il a le droit de le faire. Aval l'osorik, il n'a pas le droit de se passer le peigne fin, le peigne de l'époque, le peigne, même le peigne aujourd'hui d'ailleurs. Ça arrive, quelqu'un qui a une petite touffe de cheveux, dès qu'il se brosse avec une brosse épaisse, il arrache forcément les cheveux. Dans ce cas-là, c'est interdit. Par contre, le principe, il est, ça touche à la... C'est comme les halakhot de Shabbat avec psikreshe, psikreshe. Psikreshe, ça signifie littéralement, tu lui coupes la tête et il ne va pas mourir. C'est le même principe que Shabbat. Un interdit, une action Shabbat, que à Shabbat on a pas le droit de se peigner les cheveux au peigne. Vous savez, c'est rapporté expressément dans la halakha, c'est du même d'ici aussi, un rivage. La halakha dans le genre, le même, il se forme sur un rivage, si je ne me trompe pas, que forcément, chaque fois qu'on se peigne, on arrache des cheveux, et on est intéressé par arracher ses cheveux, parce que les cheveux qui sont morts, on ne veut pas qu'ils restent sur la tête. Et donc, comme ça, pour avoir une nouvelle touffe propre, eh bien, donc on est intéressé par les arracher, et on n'a pas le droit de se peigner avec le peigne, parce que c'est que le peigne, il arrache. La différence de celui qui va se brosser la tête, là, comme on avait dit, avec soit la khafifa, quand il va se frotter les cheveux, ou soit il va être mis face-fesse et il va se faire des... juste passer les cheveux comme ça, c'est essentiellement pour se faire une raie bien définie. Dans ce cas-là, c'est pas sûr qu'il arrache les cheveux. Ok. Maintenant, Rabbi Shmuel Omer, Loyachouf ba'adama mipene shemacher et tetasea. Rabbi Shmuel nous dit, attention, quand je t'ai permis de faire une khafifa, de faire un shampoing avec leurs produits, je t'ai pas permis de le faire avec, parmi les produits qu'on peut utiliser, c'était une certaine terre, et là-bas, c'est une terre qu'elle avait la particularité, qu'au contraire, elle avait tendance aussi à arracher aussi les cheveux. Et dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le faire, parce que là, c'est sûr que si tu vas te frotter les cheveux, tu vas en perdre. Et dans ce cas-là, tu es nazir, tu n'as pas le droit de te raser les cheveux. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.